Le point de départ, on a démarré avec l'objectif que les étudiants puissent poser autant de questions qu'ils voulaient pendant un cours. Donc dans le cadre d'un cours magistral, la consigne était pour les étudiants de poser toutes les questions qu'ils voulaient. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas eu le temps de passer du tout tout ce qui était prévu dans ces cours-là. Donc on a été obligé de modifier les pratiques de manière à ce qu'on puisse à la fois donner la possibilité pour les étudiants de poser toutes les questions, mais en même temps de faire passer les contenus pédagogiques qu'on avait à faire passer. Donc l'idée, ça a été de déporter vers la partie qui est avant le cours, la partie transmissible. Et à ce moment-là, on va avoir, via le livre ou des questions qui sont sur Internet, la partie transmissive qui est faite en amont du cours. Et ensuite, pendant le cours, on peut se concentrer sur les questions et finalement, on ne va faire que ça. Pendant la session de cours, à proprement parler, ce qu'on va faire, c'est demander aux étudiants de répondre aux questions des autres. Donc ma posture par rapport à ça, ça va être de me mettre en retrait et autant que faire se peut, ne pas répondre aux questions moi-même, de manière à ce qu'ils aient la possibilité de travailler sur cette compétence de répondre aux questions. Dans ces sessions de questions-réponses, la place du numérique, c'est principalement pour les étudiants d'avoir, en tout cas pour une partie des étudiants, d'avoir un ordinateur qui est allumé et qui leur permet de se connecter avec la littérature, avec les données de bibliographie. Et donc, pour répondre aux questions des autres, ils vont pouvoir faire des recherches pendant que le cours se déroule. Donc certains vont participer directement au débat en discutant immédiatement, et puis d'autres vont se mettre en retrait pour faire des recherches et vont intervenir quand ils auront trouvé des éléments de réponse. Alors avec cette façon de procéder, l'avantage principal, c'est qu'on peut aider les étudiants à travailler sur leur capacité à apprendre des contenus seuls, avoir cette approche critique de ce qu'ils apprennent, et donc ils vont avoir appris un petit peu moins en termes de contenu, mais par contre, ils sont capables de s'attaquer eux-mêmes à des contenus qui sont nouveaux. Donc c'est vraiment, on est dans cette logique d'apprendre à apprendre. La difficulté qui vient avec ça, c'est les outils qu'on va utiliser. En fait, on a de nombreux outils. Ces outils sont plus ou moins faciles à utiliser et ils ne sont pas toujours très bien interfacés les uns avec les autres. Et comme les étudiants, mais aussi les enseignants vont apporter des outils qui sont différents, on va avoir à la fin une foule d'outils différents qui ne sont pas forcément tous très bien interconnectés. Et donc là, il y a une difficulté potentielle pour certains étudiants à se retrouver dans la diversité des outils qui sont utilisés. On démarre chaque année par un événement en présentiel dont un des objectifs est de constituer la communauté d'apprenants, et notamment en première année, on va investir une semaine ou 10 jours. Cette semaine qu'on va consacrer à créer la communauté apprenante, elle va aussi nous servir à atteindre deux autres objectifs. Le premier, c'est d'avoir une approche réflexive sur la façon dont on apprend. Donc chaque étudiant va pouvoir se projeter dans son apprentissage en cherchant à identifier de quelle manière est-ce qu'il va travailler une fois qu'il sera avec nous. Et l'autre objectif, c'est l'apprentissage par la recherche, et donc la découverte de ce que c'est que la recherche, qui est assez peu présente dans le secondaire. L'accueil des modalités qui sont, disons, pas forcément répandues partout, elle est très ouverte dans la structure, donc le centre de recherche interdisciplinaire, qui va permettre à chacun de modifier sa pratique pédagogique de manière à atteindre les objectifs pédagogiques. C'est ça le deal en fait, c'est qu'à partir du moment où on atteint les objectifs pédagogiques, on peut modifier complètement les approches, et ces approches vont être très différentes d'un enseignant à l'autre, parce que les objectifs sont différents d'un enseignant à l'autre.